Et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Fountain of Youth. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on y va direct, hein. Si, c'est bon. On va chercher des noix de coco. Alors, il y a une chose que je voulais voir. Maintenant qu'on a la carte. Est-ce qu'on peut mettre un repère? Ah! Voilà, ça c'est top. Ok. Me localiser, hein, je ne sais pas. Retour, c'est bon. Et après, grande question, c'est est-ce qu'on peut mettre autant de repères que l'on veut? Ok. Ouais, est-ce que là, on commence à avoir sérieusement soif, donc ça devient inquiétant. Après, on va aller se diriger vers le point qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Alors, on court pas parce qu'il faut faire attention à son énergie. Par ici, c'est bon. Donc il y a des trucs sympas sur les pages de chargement. Par exemple, j'ai vu qu'on pouvait faire un quai, on pouvait se faire un bateau, et pas un petit bateau, hein. Un petit bateau, je sais pas, il y avait l'air d'y avoir un coffre dessus. Tout. Enfin, ça a l'air d'être super sympa parce qu'il faudra aller visiter les îles comme là-bas, par exemple, la petite île. Et je pense qu'il doit y avoir des îles peut-être un peu plus grandes, j'espère. Et là, on est loin d'avoir visité tout, hein. Même très très loin. Ok, donc. Ouais, j'ai mis de côté l'arc et les flèches, parce que déjà d'une, j'ai pas beaucoup de flèches. Et ensuite, parce que. Je pense qu'il faut que je débloque un autre. Raccourci. Alors. Parfait. Bon, ça c'est top. On a deux, on va récolter celles qui sont là-bas. Hop. Voilà. Donc. On va en faire deux. Ah, j'aurais pu le sélectionner, j'y pense pas. En appuyant sur ID. Hop. Hop. Ça c'est bon. Ça, on va le manger. Et on va commencer à être un petit peu chaud en nourriture. Hein. Hop. Il est quelle heure là? Oh, on arrive déjà dans la soirée. Bon, et eh ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer un petit peu, puis on va rentrer. Maintenant qu'on a une carte. Oui, parce qu'il reste des trucs dedans, c'est peut-être pour ça. On a du tabac ici. De l'eucalyptus. Alors l'eucalyptus, on va voir à quoi ça sert. On n'en a pas. On va peut-être aller en chercher, tiens. Ah, attendez. Non, je me disais que peut-être que si on le sélectionnait. Non, c'est par ici, apparemment. Ouais, donc pour aller voir le petit point qu'on a vu, je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse jour. L'eucalyptus, ce serait pas ça des fois? Ça ressemblerait bien. Ouais, je dirais. Ouais, c'est ça, l'eucalyptus. On va tout récupérer. Hop. On a débloqué des nouveaux plans. Allez, on rentre. On va dormir. À nouveau, niveau nourriture, ça commence à être un petit peu chaud.
Des silex, alors faut absolument qu'on trouve des silex aussi. Alors les silex, c'est pas évident à trouver, hein. Mais alors pas du tout. Du charbon. Alors le charbon, je sais plus comment j'ai fait pour l'avoir. Ça doit être dans le feu, je crois. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse un feu. Un deuxième feu. Que je le fasse brûler. Et que je récupère les charbons. Ouais. Ça serait du sacrifice. Enfin, du sacrifice, oui et non, parce que j'utiliserai. De bois, mais bon. Je me dis que. Bon, il m'en reste un, de toute façon, un charbon. Donc j'ai encore de quoi faire un plan. Par contre, c'est les cordes qui vont me manquer. Pour l'instant, on n'avance pas des masses. Enfin, on n'avance pas. Si, on avance, on progresse, mais on n'avance pas beaucoup au niveau de l'histoire. Mais bon. C'est pas non plus... Pour l'instant, l'intérêt, hein, il faut être bien. Il faut être capable d'avoir de la nourriture, d'avoir de quoi se défendre. D'ailleurs, en parlant de défense, notre lance, on peut la réparer? Ouais, on peut la réparer. Il faut quoi? Ah! Le lingot de fer. Pépère, il sait pas encore faire ça, hein. Il est encore à l'âge de pierre. Ok, l'eucalyptus. Alors attendez, on va regarder l'eucalyptus, mais normalement... Ouais... Mais... Plan. Ah oui, d'accord. Restore 13 de santé dans 2 heures. Il faut ça, ok. Oh, et quand je me ferai une base, hein, il va falloir vraiment que je... Comment ? Que je... Mince ! Que je fasse des pièces avec, par exemple, le côté... Le côté médicinal et côté armement, tout ça, parce que sinon ça va être chaud. Non, on va dormir directement. Ah, on est en début de la... Ok. Donc si on dort jusque là, on est bien. Allez, dodo. Hop. Oh bah, c'est cool ça. Mais il pleut. Ah bah, pour changer, tiens. C'est vrai qu'on a eu une journée juste avant tellement belle. Allez, on va se diriger vers le... Vers le point qu'on a repéré juste avant. En tout cas, j'aime bien ce système de monter dans l'arbre, cartographier. C'est logique. En même temps, on se met en altitude, on cartographie, on regarde de loin, on voit donc telle chose, on le marque sur la carte. C'est bien, hein. C'est bien. Après, pour pousser la chose au maximum, s'ils avaient laissé les joueurs faire, par exemple, ça aurait été pas mal aussi. De dire, de pouvoir mettre autant de marqueurs qu'on veut, et puis en mettant, bah, ici, il y a, par exemple, comme j'ai fait pour ma base, un repère. Des pierres ici, des silex, des animaux. Alors, ça aurait pu être cool. Par contre, si j'arrivais à choper une poule. Ouais, ça serait pas mal. Il est quelle heure là? Oh, on est en début de matinée. Les poules, c'est par ici normalement. Alors, c'était par là, je crois. Le point qu'on avait remarqué.
Oh. Là-bas, il y a une poule. Il y en a deux même. J'essaie de m'approcher au maximum. Oh oui, joli. Sale bête. Non. Rends-moi ma lance. Voilà. Ah, il n'y a que de la. Oh, il n'y a qu'une viande dessus. Voyons. Elle était toute maigre celle-là. Je suis tombé sur la poule la plus maigre. Bon. On a au moins un petit peu de viande pour manger. Il y en a une autre là-bas. Ah non, cache-toi pas derrière. Je te vois plus. Poulette. Ah bah c'est barré. Bah ouais. Je la voyais plus. Où est-ce que c'est barré? Je sais pas. Bah. Pourquoi il y a une poule? Bah bon, je prends. Hein. C'est moi qui l'ai tué, ça. Alors, ouais, ça y est, j'ai retrouvé le point. C'est par là-bas. Ça va, c'est pas très loin. On fait attention. Il fait sombre, mais pourquoi il fait sombre, les gars, là? On est en plein jour. C'est ça qui est un petit peu désagréable, c'est qu'il fait toujours sombre en fait. Ouais, ça par contre je récupère volontiers. Ah, c'est quoi ça? Ok. Fais attention au serpent. Bien, j'ai perdu le point. Là, là-bas. Juste là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Mince. Niveau 4 en force. Parfait. Tête en pierre. Chanson de l'âge d'or. Ok, bah je vais vous laisser lire. Parce que moi, je vais lire de mon côté, hein, hors caméra. Alors, je vous laisse lire. Je vous laisse regarder. Vous faites pause. Alors, attendez, là, qu'est-ce que j'ai là? Pareil, ça, je vous laisse lire si vous voulez. Hop. Ok. J'ai vu une plante que j'avais pas l'air de connaître ici. Ah bah si, je connais, c'est du tabac. Hop, on récolte tout. Voilà. Est-ce qu'on a des lianes des fois par ici? Ça serait bien. Parce que j'en ai franchement besoin des cordes. C'est un petit peu important quand même. On dirait pas comme ça, mais. Oh. Même pas, il y a des bruits partout. Ah, je sais pas si vous entendez les bruits comme ça, mais moi, avec le casque, je peux vous garantir que si. Si je pouvais tomber sur un tas de silex aussi, ça serait bien. Mais non, je vois pas de d'arbres à lianes. Ah, il fait. Ah, c'est quand même plus agréable quand il fait clair. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Alors.
Quand toutes les ressources qu'on a déjà prises vont repop, on va pouvoir se faire plaisir, hein. Ah, pourtant, je fais attention, hein. Saleté, va. Ça, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. J'ai été empoisonné. Mince. Normalement, j'ai encore ce qu'il faut. Ils sont très durs à voir, les serpents. Hein. Surtout quand on cherche quelque chose, on fait pas spécialement attention là où on marche. Des lianes, il me faudrait des lianes. Le début, c'est vraiment de la survie, hein. Là, ici. Oh, cool. Normalement, on devrait tout prendre. Oh non, un animal vous pourchasse. Ouais, non, mais ça, c'est casse-pied, ça. Ça, c'est franchement casse-pied, parce que, alors, si c'est une araignée ou un scorpion, pour le voir, poup-poup. Bon, l'arbre est juste là. On va s'éloigner, au pire, on va perdre l'aggro. On va aller jusqu'à la tête là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous suit là? Mais non, c'est bien ça le problème. Que rien nous suit. Ah! Où ça? Là. Ça va me faire à manger. À table! Ok, on y retourne. Je pense qu'on s'est quand même bien éloigné. J'espère. Oh, ça c'est bon ça. Je l'ai perdu. C'est fou ça quand même. De devoir perdre cet arbre à chaque fois. Bah mince. Ah, mais c'est pas vrai. Sérieux? C'est pas possible que je l'ai perdu. Alors, si je pouvais. Je crois que je l'ai déjà dit, mais si je pouvais donner un point négatif au jeu, c'est ce système. Un animal vous pourchasse, donc on peut rien faire. Ça, par contre, c'est sérieusement un problème. Ah, il est là. Ah, oh, sérieux! Pas vrai, sale bête. Une durabilité de l'outil insuffisant. Voilà. On a récupéré William. Allez, on rentre à la base. De partie en partie, on a l'impression. Oh, cool! De partie en partie, on a l'impression de pas faire grand-chose. Mais au final, si, hein, on avance. Il n'y en a pas d'autre.
C'est quoi ça? Du tabac. Tiens, on va prendre. Hop. Allez, on arrive sur la soire. Ah, je crois qu'on a un eucalyptus là. Non? Ah non. Hop. Non, je suis à l'ombre, c'est bien. Attendez, il y a une poule par là. On la repère. Elle est là. Elle est à découvert. Si j'arrive à la voir. Ah, oh, je l'ai loupée. J'y crois pas. Elle est partie par où? Elle est là-bas. Ok, elle s'est posée. Ah, ah, ah. Je t'aurais pas loupé deux fois. Je perds la lance. C'est tout? Oh non, mon couteau il est abîmé. J'y crois pas. Bon, par contre. Ouais. Bon, je fais comment là? J'ai plus de couteau. Ouais, il me faut des silex absolument. Là, je perds une. Je perds une. Aïe, quoi? Ah, je me suis. Ah, ok, d'accord. Je me suis griffé sur la plante. Ouais, là, je perds de la viande parce que mon couteau est abîmé. Ça, c'est un petit peu problématique. Du silex. Il n'y a pas beaucoup de silex, hein. Ouais, qu'on regarde quand même. Sur la carte, mais on a des longs bâtons. Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, d'accord. Ah, bah oui, maintenant qu'on a la carte, parce qu'avant on n'avait pas la carte, maintenant on l'a. Nous on est ici, c'est ça? Carte de la région, faut qu'on aille là, sur le point ici. Obtenir un indice de membre survivant de l'équipage ou un morceau de carte indigène ou apprendre le plan pour un meilleur. Mais pas trop compris. Donc nous on est ici. Voilà. Est-ce que des fois. Ah, regardez. Objet intéressant. Là. Là pareil, un objet intéressant. Ok, d'accord. Ça peut être des objectifs pour les prochaines vidéos. Nous, on a été ici, à mon avis. Voilà. Mais les silex sont pas marqués sur... Non, les silex ne sont pas marqués sur les... C'est dommage. Allez, on rentre. Petit coucher de soleil. Il reste combien de temps avant que ça repop? Dans 19 jours. Ouais. Pas de mal à veille. Hein. De toute façon, il va falloir faire une expédition. Alors, après, je pense que je vais jouer un peu de mon côté hein, pour certaines choses parce que c'est compliqué. Là, de toute façon, je vais être bloqué parce que j'ai plus de silex. Ou il doit m'en rester un. Donc c'est vrai que ça va être problématique. Pour ça, il faudrait peut-être que je les repère sur la carte. Je ferai ça de mon côté, hein, du repérage. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme repère? Non, pas ça. Mince, comment on fait pour mettre un marqueur déjà? Comment j'ai fait tout à l'heure pour mettre un marqueur? Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a? On peut mettre un point d'exclamation pour dire qu'il y a quelque chose d'important. Ou une croix. Ok. Allez, on y va. Pas évident hein, quand même, hein, ce petit jeu. Mais je pense que oui, il va falloir que je fasse un petit peu de farming de mon côté. Parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos, on doit essayer quand même de faire quelque chose. On a 30 minutes, enfin une vidéo de 30 ou 40 minutes. Et ça passe super vite en fait, donc pour faire de la recherche poussée et tout, c'est pas évident. Donc, allez, on allume. Non, j'ai dit on allume. Non plus. Bah alors, j'ai pu allumer un feu? Ah. Ok, fabriquer. Fabriquer. Ah, on en a plus. Ah, c'est pareil, ça va être un problème. Voilà. Si on a un petit peu de date pour nous, ça va nous donner un petit peu de. Hop, ça. Bah ça, on va le manger parce que pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Ah, ça donne un petit peu d'hydratation. Donc on va peut-être le garder. Là. Déjà? Bah tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il restait au moins 8 heures. Ouais, dites donc, ça part vite, hein. 26 bois. Ah non, je vais peut-être pas en mettre 26, hein. Un bois, c'est 1 heure et demie. Ok. Un jour. Ah. Allez, c'est bon. Voilà. Donc. Cool. Niveau 3 en cuisine. Parfait. On va ranger des petits trucs là. On a de la plume, du tabac. On a ça. Ouais, on a ça. Il va falloir qu'on fabrique des cordes. Mais je me rappelle plus, c'est avec quoi c'est. Non, c'est pas avec ça. Je sais plus. Ça, mais pff, je préfère garder le silex. Il me reste un silex. Ouais, c'est chaud, hein. Ça se répare. Ça, on peut le mettre là. L'œuf, on va le mettre là, mais il va pourrir parce qu'il en faut deux pour pouvoir faire un machin. Les 10, on va les jeter. Enfin, on va les mettre par terre. Ok. Alors, le côté top du jeu, c'est que quand on met quelque chose par terre, ça reste. Ça, honnêtement, c'est bien. On a fait le tour du cadran, il va faire jour. Ah, bah on va tenir, hein, c'est pas grave. Retour. Voilà. Et ben, on va se fabriquer. Des cordes, je sais plus, à chaque fois c'est ça, ok. J'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impec, validé. Ah, attendez. Non, c'est bon. Si, c'est bien ce qui me semblait. Non, j'en ai même 10.
Hop. Validé. Hop. C'est bon. 4 heures. Ah bah dis donc, 4 heures pour faire ça? Parfait. Alors. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Il est quelle heure là? Ok, on peut... le temps passe trop vite, hein. Ouais. Je sais pas, mais il faudrait trouver... Alors, au niveau du... Ah, bah j'ai un point d'attribut. C'était quoi celui-là? C'est la concentration. Ok, le venin. Le venin, ça serait bien, parce que... Ah oui, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi. Le sommeil. Déverrouille le mode... Il n'y avait pas quelque chose... Contrôle de la soif. Manger des aliments contenant de l'eau augmente la soif de 5 points supplémentaires. C'est pas très clair leur truc. Ça augmente la soif. Donc quand ils disent que ça augmente la soif, c'est-à-dire que ça donne de la, ça donne en gros de l'hydratation? Ou est-ce que ça augmente la soif, c'est-à-dire que ça crée de la soif? Non, je pense pas. Si c'est le contrôle de la soif, je pense que c'est... Ouais. On va apprendre ça, je pense. Parce que l'hydratation, pour l'instant, c'est la chose la plus... chaude. Allez. On prend ça. Là, en fabrication, ok. Moins 1% de risque de fabrication. Allumage de feu. Chance supplémentaire de réussir l'allumage plus 20%. Risque de blessure moins 2%. Chance d'économiser du petit bois lors de l'allumage 5%. Ok. La cuisine. Pouvoir nutritif des aliments préparés augmenté de plus 15%. Ça, c'est pas mal. Risque de blessure lors de la préparation des aliments réduit de 2%. Temps d'entreposage. Des aliments préparés augmentés de 10%. Ah, c'est bien ça. En gros, ils pourrissent 10% moins vite. Et la prochaine fois, ça sera 20%. Ouais, ça, c'est top. Dépeçage. Durée du dépeçage réduite de 10%. D'accord. Là, je suis niveau 4 au lancer. Vitesse de visée lors du lancer augmentée de 20%. Ok. Perte d'endurance lors du lancer réduite de 15%. Ok. Prochain niveau, ça sera 20%. L'autre 60... Ok, d'accord. Dégâts infligés lors du lancer augmentés de 15%. Ça, c'est top. Donc là, pour l'instant, l'arc, on l'a pas, mais je pense que ça va améliorer aussi. La force, je suis niveau 4. Poids maximal augmenté de 20%. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Dégâts infligés de combat mêlé, 15%. Perte d'endurance lors du combat, moins 15%. Ok. L'athlétisme, perte d'endurance réduit de 10%. Vitesse de récupération plus 5%, ok. Et le reste, j'ai rien. Ah si, collecte. Durée de minage et récolte réduite de 10%. Chance de blessure de moins 1%, ok. Impec. Il y a tout ça, mais... Ouais. Ça, c'est des récompenses. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, ça c'est un petit peu mystérieux. On va éteindre le feu. Parce que là, il est en train de se consommer pour rien. Bah écoutez, on va arrêter l'épisode là. Voilà, une petite trentaine de minutes, c'est pas mal. Moi, de mon côté, je vais retirer le poison. Et puis, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou partager la vidéo. Moi, je vous retrouve avec plaisir pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye!